Charlène de Monaco est confrontée à des allégations selon lesquelles elle lutterait pour la préservation de son mariage avec le prince Albert. Un média allemand a abordé ce sujet en ces termes, une ombre obscure plane sur elle en permanence. Chaque jour. Cette pression constante qu'elle doit supporter. À maintes reprises, des tiers s'immiscent dans l'union du prince Albert et de la princesse Charlène, comme rapporté par la version allemande de In Touch. La personne en question est le fils aîné du prince Albert, Alexandre, issu de sa relation avec Nicole Coste. Il semblerait qu'il aspire à jouer un rôle plus prépondérant au sein de la principauté. Néanmoins, Charlène de Monaco a eu l'occasion de réagir aux rumeurs de tension au cours d'une récente interview. Malgré son état de santé fragile, l'ancienne nageuse a exposé son point de vue sur la persécution médiatique à laquelle elle est constamment confrontée. La princesse Charlène met en avant le manque d'intégrité de la presse ainsi que la création de récits sensationnels, qui sont au cœur de ses inquiétudes. Elle dénonce le choix systématique des médias de publier des photos la montrant sous un jour négatif, ce qui contribue à façonner une image qui ne reflète pas la réalité. Si l'on dispose de 1000 photos de moi prises lors d'un événement, ils optent pour celles où je baisse les yeux ou où je ne souris pas, pour ensuite affirmer que j'ai l'air maladroite ou malheureuse. On dirait qu'il confectionne une certaine narration, a-t-elle déclaré pour expliquer sa perspective. D'après Charlène de Monaco, cette création de récits a pour principal objectif d'attirer l'attention des internautes et de générer des bénéfices pour certains. Elle soutient que ces récits alimentent des spéculations sur son mariage avec le prince Albert et qu'il semble exister une volonté de voir le couple se séparer.